What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un ch'tanné de trouver des nouvelles manières originales de me censurer, fait que je vais juste dire ch'tanné de trouver des nouvelles manières originales de me censurer qui existent. Cette semaine, je vous parle d'un gros coup de cœur que j'ai eu, un livre que j'ai trouvé plutôt médiocre jusqu'à date, puis un troisième livre qui n'est pas encore choisi mais qui va probablement être super bon parce que je suis rempli d'un optimisme incroyable que je vous témoigne tout de suite après la musique d'intro qui commence à quelque part comme là. Je commence par vous parler d'Alexandre Jardin et de son livre « Le petit sauvage ». J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre-là. En partant, l'histoire est excellente. C'est l'histoire d'un homme qui, rendu à un certain âge, se rend compte qu'il n'a pas respecté les promesses qu'il s'était fait étant enfant. Donc, il décide de changer complètement le rythme de sa vie, d'essayer de redevenir l'enfant qu'il était. Il ne s'agit pas, en fait, de faire la mimésis de ce qu'il était étant enfant, d'imiter qui il était étant enfant, mais plutôt, en fait, de chercher un moyen de devenir un adulte ayant toujours cette fibre-là de l'enfance, un adulte qui serait un adulte révolutionnaire, qui refuserait en fait les concessions, qui ferait pas de compromis, qui jouerait à la vie plutôt que de la vivre. Puis c'est cet aspect-là, je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est le genre de livre qui est pertinent de lire à mon âge parce que je suis à un point tournant en fait de ma vie où est-ce que parfois j'ai envie de peut-être tasser certains de mes rêves d'enfance ou de mes rêves même d'adolescence pour peut-être accepter certaines responsabilités ou pour m'installer dans un certain confort que l'aspect financier peut m'apporter. Bref, j'ai trouvé que ce livre-là est tombé dans mes mains au parfait moment, mais néanmoins, je pense que j'aurais pu le lire étant adolescent ou même étant enfant, puis que j'aurais pris beaucoup de plaisir à lire ce livre-là. Au niveau de la forme, ça l'épouse parfaitement le fond, c'est-à-dire qu'en fait, au début, on a une première calligraphie, c'est écrit d'une certaine manière, avec un choix de police. Par la suite, la police est changée à un certain moment dans le livre, ça l'épouse parfaitement le storyline, donc la forme vient épouser le fond. Puis par la suite, c'est encore plus prononcé. Il y a des pages où est-ce que c'est écrit en billet, donc il y a une espèce de moment où est-ce qu'on... le protagoniste est... Ben, le protagoniste qui est l'auteur, en fait, est pris dans une espèce d'étau où est-ce que tout est mélangeant, donc il est déséquilibré, puis là, c'est le choix d'écrire en billet, ça vient épouser cette idée-là. Il y a des moments où est-ce que pour imiter la houle des vagues, les mots sont écrits comme ça. Bref, je vais vous prendre plusieurs photos de certains de ces moments-là où est-ce que la forme épouse le fond. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Vous le savez, moi j'aime beaucoup les livres qui sont pas un livre traditionnel. J'aime quand l'auteur joue avec nous, puis ben, ça vient épouser parfaitement, puis j'arrête pas de dire le mot épouser là. C'est une demande en mariage officielle quasiment que j'ai pour ce livre-là, c'est ça, c'est que je trouve que ça vient faire écho à l'idée justement de cet adulte-là qui joue à l'enfant, qui joue à la vie. Ben, l'auteur là carrément joue à l'auteur, donc il va venir faire ce qu'un auteur traditionnel ne serait pas censé faire, c'est-à-dire sortir des codes de la littérature, de la grande littérature. Le fait que ça soit publié chez Gallimard, pardon, dans la série blanche, je trouve que ça vient encore appuyer, ça vient mettre encore plus de poids dans la balance, parce que c'est des livres justement qui généralement sont très conventionnels, c'est de la grande littérature française. Donc le fait de retrouver un livre où est-ce qu'il y a même des images à certains moments, ben, je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Je trouve que ça vient appuyer parfaitement le propos d'Alexandre Jardin. Bref, vous l'avez deviné, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre-là. Ça risque d'être ma suggestion, ou du moins une de mes suggestions de la semaine. Je vous dirais que dans les dernières semaines, c'est probablement un des livres que j'ai préféré lire. Vraiment, j'ai pas rien de mal à dire au niveau de ce livre-là. Gros coup de cœur. Puis, je veux pas trop vous en dire parce que la fin est super triste.
Mais allez le lire parce que pour vrai, c'est rempli de surprises, ce livre-là. Vraiment, là, c'est chaque page qu'on tourne, on sait pas trop ce qu'on va avoir. Puis j'ai parlé beaucoup de la forme, mais le fond également est super bon. C'est très, très bien écrit. Beaucoup de réflexion. Je pense que c'est le genre de livre qui ne laissera pas personne indifférent. Donc, Le Petit Sage, Alexandre Jardin, gros coup de cœur pour moi. Je vous parle maintenant d'un livre que j'ai acheté il y a de ça, Belle Lurette, dans une friperie pour 1$. J'étais réticent à le lire parce que c'est un livre de Woody Allen, Dieu, Shakespeare et moi. Mais je me suis dit que ça allait être un exercice un peu ludique, un peu intellectuel, d'essayer de séparer l'œuvre de son artiste, de son créateur. On sait tous que Woody Allen, c'est un trou de cul. Donc c'était moi, j'ai vraiment de la difficulté en fait à faire la distinction entre œuvre et artiste. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Woody Allen, ça reste que c'est un artiste qui a été acclamé, donc j'imagine que ce qu'il fait, c'est pas mauvais. Puis il a quand même appelé son livre Dieu, Shakespeare et moi. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est assez humble, quelqu'un qui a. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment mauvais, pas parce que c'est Woody Allen, juste parce que c'est pas mon genre de livre. J'ai trouvé justement que c'était d'une grande prétention en fait d'appeler un livre aussi médiocre Dieu, Shakespeare et moi. C'est un livre qui est fait pour nous faire rire, j'imagine, donc c'est ce qu'on qualifie de philosophie absurde. En fait, c'est pas exactement défini comme étant de la philosophie absurde, c'est juste que c'est défini comme étant de l'étude philosophique, des réflexions audacieuses, des pensées vertigineuses, et c'est très très absurde. Donc comme je vous dis, c'est fait un peu pour vous faire rire, c'est fait pour aller briser les barrières du genre, parce que la philosophie, c'est jamais vraiment censé être absurde, même si c'est jamais concret tant que ça non plus. Mais pour moi, c'est juste pas le genre de truc qui me fait rire, c'est pas le genre de truc qui me fait sourire. Je pense pas que c'est parce que c'est Woody Allen qui a écrit ça que j'ai pas aimé ça. Je pense que j'ai simplement pas aimé ça. Je vous en parle pas plus amplement parce que pour moi, c'est un livre qui a vraiment pas été marquant. Il y a des petits passages qui sont quand même intéressants. Je pense qu'il y a des petits passages qui vont vous faire sourire. Mais de là à dire que c'est comique, vraiment pas. De là à dire que c'est bon, encore moins. C'est tout simplement pas ma tasse de thé, je pense. Donc Woody Allen, Dieu, Shakespeare et moi, ça va tomber à l'oubli pour ma part. Je vous parle maintenant d'Alain Fareuil, de son livre Matamor numéro 29. Si vous suivez ma chaîne de manière religieuse, vous savez que j'ai parlé d'Alain Fareuil récemment et de son livre Pourquoi Bologne, que j'avais adoré. Matamor numéro 29, c'est pas un mauvais livre non plus, en fait c'est même un excellent livre, c'est peut-être un peu moins ma tasse de thé que Pourquoi Bologne. C'est un livre en fait qui est de l'ordre de l'autofiction. C'est Alain Fareuil qui nous parle d'un moment crucial dans sa vie, mais il nous en parle d'une manière qui est parfois mélangeante en fait. Il y a la figure de l'œuf et de la poule qui sont des figures récurrentes dans ce livre-là, puis je pense que c'est judicieux en fait parce que c'est un œuvre à la chronologie délirante, ambiguë. On sait jamais qu'est-ce qui vient avant quoi. On peut dans une même page être en 1960 et être en 2010. Donc je trouve ça assez intéressant. Par contre, moi ça m'a mélangé par moments. Je pense que c'est le but en fait que ça nous mélange. Vous le savez, moi j'aime pas trop les œuvres qui me font sentir imbécile. C'est le genre d'œuvre qui me fait sentir imbécile, mais qui me donne envie d'être plus intelligent, même si je sais que même si j'étais plus intelligent, je comprendrais peut-être pas plus ce livre-là. C'est un livre en fait qui joue avec qu'est-ce que l'autofiction devrait être. Je pense que l'autofiction, ça devrait être quelque chose qui est comme un repli sur soi. On voit ça parfois comme étant du narcissisme, on voit ça comme étant du nombrilisme. Je pense que là, en utilisant plusieurs personnages pour définir un seul état d'âme, ben pas un seul état d'âme, mais les états d'âme d'une seule personne, ça vient justement un peu contrer cette impression-là que l'autofiction est toujours dans le narcissisme, dans le regard sur soi-même. Je pense qu'Alain Fareuil se regarde beaucoup dans ce livre-là, mais il nous donne jamais l'impression que c'est lui qui regarde, parce qu'il y a plusieurs personnages qui en sont en fait
qu'un seul. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Encore une fois, on sent qu'Alain Farah maîtrise très bien la littérature. On sent que c'est pas un deux de pique, comme j'ai dit dans mon autre vidéo. Vraiment, c'est un homme super intelligent. Il nous parle de Blinky, pardon. Cette poulet en fait que Jeffrey Valens avait enterré dans un cimetière pour animaux à Los Angeles, si je me trompe pas. Et cette figure-là est une figure aussi importante, au même titre que l'œuf et la poule dans cette œuvre, parce que si vous êtes familier avec l'œuvre de Valens, vous le savez. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous l'explique grosso modo. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté un poulet, il l'a enterré. 10 ans plus tard, il a exhumé en fait ce poulet-là pour aller faire... c'est de la performance artistique en fait. Il a fait analyser les ossements du poulet pour savoir comment ce poulet-là était décédé. Puis plus tard, il a fait une autre célébration en fait. Donc il a fait des funérailles, si je ne me trompe pas, c'était des funérailles avec des rites de plusieurs religions. Donc c'est une œuvre qui réfléchit à la vie animale, qui réfléchit au spécisme, parce qu'on enterre un poulet dans un cimetière pour animaux où les gens généralement vont enterrer des animaux de compagnie. Donc là, Valens a pris un poulet qu'il a acheté au supermarché, il met là. Donc est-ce qu'un poulet vaut moins qu'un chien qui a vécu chez nous? C'est une partie qui est super intéressante, une réflexion à avoir qui peut être intéressante. Moi, où est-ce que je vois que cette figure-là est importante dans ce livre-là? C'est justement le processus en fait de création de Valens. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a exhumé ce poulet-là pour retravailler son œuvre, pour y redonner un nouveau sens. Et c'est un peu ce qu'Alain Farah fait tout au long de ce livre-là. Il exhume son œuvre, il l'enlève de terre pour venir nous replonger en fait, venir avoir un nouvel angle sur différents passages de ce livre-là. Donc les figures sont des figures qui reviennent constamment. Si vous avez manqué une page, ça se peut que vous ayez manqué une référence. Cette référence-là peut être super importante tout au long du livre. Donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs passages que j'ai trouvé intéressants dans ce livre-là, dont un passage à la page 105 où Alain Farah nous dit 1. Il n'y a pas d'énigme. 2. Tout est insensé. 3. Rien n'est insensé. 4. On connaît la solution. Si vous voulez entendre un œuf cassé, écoutez. Un trombone joue, un trombone en sourdine. J'aime le goût grillé des sardines. Tout est prémédité. Il n'y a pas d'énigme et on entend l'énigme. C'est un récit, c'est un voyage, c'est une fiction. Donc dans cette page-là, Alain Farah nous donne tous les clés d'interprétation de ce livre-là, pardon. Donc il n'y a pas d'énigme, tout est insensé, rien n'est insensé, on connaît la solution. Il n'y a pas d'énigme dans ce livre-là, il n'y a pas de ligne directrice, on n'est pas à la recherche en fait d'un début, un milieu, une fin. On peut oublier tout ce qu'on connaît de la littérature, là, le dénouement, les péripéties, l'élément déclencheur, etc. Il n'y a rien de tout ça en fait. Là. C'est l'élément déclencheur, c'est le moment où vous prenez le livre et vous l'ouvrez. Puis le dénouement, c'est le moment où est-ce que vous fermez le livre, tout simplement. Donc, que Alain Farah nous donne ces clés d'information-là, ça nous permet peut-être de respirer, de voir le livre d'une nouvelle manière. On est rendu à la page 105 à ce moment-là. On a déjà été mélangé à plusieurs moments. On est peut-être même sur le point d'être désintéressé parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, d'avoir cette information-là, ça nous aide peut-être à revoir le livre d'une manière différente. Matamor numéro 29, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui s'approche de la poésie. C'est un livre qui est indéfinissable. C'est un livre qui vient avec un postface de 20 pages, en fait, une analyse de 20 pages à la fin du livre. Donc, ça vous donne une idée justement d'à quel point c'est une œuvre particulière, une œuvre qui mérite d'être analysée. Pour moi, c'est le genre de livre qui est, même si c'est pas ma tasse de thé nécessairement à prime abord, c'est le genre de livre qui mérite, je pense, plus d'attention, qui mérite de prendre le temps de lire. Faut pas se dépêcher à lire ce livre-là, il faut bien l'analyser. Je pense que c'est un livre qu'il faut bien digérer, qui prend du temps à être digéré, mais définitivement, je trouve ça super intéressant. Puis, j'ai compris en fait qu'est-ce qu'Alain Farah nous disait dans Pourquoi Bologne, parce que
Il nous mentionne à un moment que dans son premier livre, la ville de Bologne revient toujours. Et effectivement, elle est omniprésente dans ce livre-là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant ce qu'Alain Farah fait de tisser des liens entre ses différentes œuvres. Définitivement, il nous crée une espèce de contexte d'interfictionnalité. Même si, en fait, c'est de la fiction qui n'en est pas vraiment. C'est littéralement indéfinissable. Mais vraiment, on sent toute l'intelligence d'Alain Farah dans ce livre-là. Donc, je vous le conseille, même si pour moi, comme j'ai dit, c'est pas nécessairement ma tasse de thé. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre que j'ai apprécié lire. Et je trouve ça assez joueur comme livre. C'est le genre de littérature que j'aime. J'aime ça quand on se moque un peu des codes traditionnels de la littérature. Donc, définitivement, Alain Farah, Matamor numéro 29, c'est une suggestion, je vous le conseille. Mais néanmoins, je fais quand même une section suggestion cette semaine. Vous l'aurez deviné, ce sera pas Woody Allen, Shakespeare et moi. Ça aurait très bien pu être Alain Farah, Matamor numéro 29. Je vous conseille d'aller lire, c'est un livre qui mérite votre attention. C'est un livre qui mérite d'être lu pour le simple plaisir d'analyser une œuvre. Je pense que c'est parfois plus difficile en fait de se pencher sur une œuvre puis de trouver comment est-ce qu'on, sous quel angle on va analyser ça. C'est ce genre de livre-là. Donc si jamais vous aimez vous plonger dans un livre, analyser, chercher les figures récurrentes, comprendre peut-être un sens caché dans un livre, je pense que Matamor numéro 29 va beaucoup vous plaire. Mais ma suggestion la semaine, c'est Le Petit Sauvage d'Alexandre Jardin, parce que je pense que c'est une littérature qui est accessible à tout. Je pense qu'encore une fois, c'est assez joueur comme livre. C'est le genre de livre qui me plaît dans la vie. Je pense que c'est le genre de livre qui devrait vous plaire, que vous soyez quelqu'un qui lit beaucoup ou quelqu'un qui lit peu, parce que je pense qu'en toute honnêteté, que Matamor numéro 29 s'adresse vraiment à un public qui est fan de littérature. C'est un peu des... C'est un livre pour les geeks de littérature, tandis qu'Alexandre Jardin, le livre qu'il a écrit, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. C'est un livre qui s'adresse autant à l'adulte qu'à l'enfant. C'est un livre que j'aurais adoré lire quand j'étais plus jeune, mais que je suis content de lire à l'âge que j'ai aujourd'hui. Ça m'amène à avoir un nouveau regard sur la vie que je vis. Donc, ma suggestion de la semaine, Alexandre Jardin, Le Petit Sauvage. Je vous conseille d'aller vous chercher ce livre-là, Alain Farah. Donnez-lui de l'attention. Je pense qu'on lui donne pas assez d'attention dans le paysage médiatique québécois. Puis pourtant, c'est un auteur ô combien brillant. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellet. Vous avez écouté un chit-chit qui existe. Et je suis vraiment content d'être encore avec vous. One love, peace out, bonne lecture. On se revoit bientôt. Il en reste plus long, hein. Je tiens à le dire, là. On va voir comment tout ça se développe. J'ai extrêmement hâte de finir ce défi-là pour pouvoir faire une rétrospective, voir quelle œuvre m'a particulièrement marqué, discuter tout ça avec vous. On se tient au courant, comme on se dit, par chez nous. Peace out.